C'est bon. Ah, c'était pas si dur. Je dois rejoindre Ellie. On dirait un bon emplacement. Ça ira très bien. Achève-le! Je l'ai eu! Bien joué! Tu t'es fait mordre? Pas aujourd'hui. Et toi? Pas aujourd'hui. Ok. On se sépare. Et on s'assure d'avoir loupé aucun de ces enfoirés. Vas-y, je te couvre.
merde, c'était quoi? J'ai vraiment pas loupé ce type, hein. Non, tu m'étonnes. Je vais vomir. Pourquoi t'es pas resté en retrait comme je te l'avais dit? T'es content que je l'ai pas fait, non? Je suis content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Tu sais quoi? Non. Je m'attendais à... Hé, Ellie, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joël? Il faut pas qu'on reste là. C'est toi le chef. On doit retourner dehors. Faut trouver ce pont. Dis-moi juste où aller. Oh, j'ai horreur de ça. On peut sortir par cette porte.
Hé, tu vois un moyen d'aller là-haut? Non. On peut peut-être se servir de ça. Tu peux m'aider? T'es sûr que tu peux compter sur moi? Ellie... Allez. Pousse! C'est ce que je fais! Pousse plus fort! Là, ça te va? On y va. Je vais aller en bas et je vais nous dégager la voie. Et moi alors? Tu restes ici. Mais c'est vraiment stupide. On aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le cas. Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça? Ben... J'ai déjà un peu tiré au fusil. Mais sur des rats. Des rats? Avec des billes. Bon, c'est presque le même concept. Soulève-le. Écoute-moi, tu vas devoir t'appuyer contre la crosse, parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil à billes. Ok. Fais reculer le levier. Soulève-le, enclenche-le, voilà. Dès que t'auras tiré, tu vas devoir recharger immédiatement. Écoute bien. Si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne gaspilles aucune de tes balles, ok? J'ai compris. Parfait. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi. Il n'y a pas de quoi. Cet abruti a vraiment merdé. Quitte à voler un truc, autant être sûr que tu peux t'en tirer, pas vrai? À sa place, j'aurais... Ils sont morts! Ils sont tous morts, putain! Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Calme-toi! Qui est mort? Toute l'équipe. Les 76 vigies. Un putain d'intrus les a tués. Il les a tous tués! Merde. T'as prévenu le boss? Ouais. Il veut tout le monde à son poste. Faut surveiller le pont. Ok, c'est pas compliqué. On fouille la zone, on laisse passer personne. Je dois sûrement se tromper. À propos des autres, je vois mal comment des intrus auraient éliminé toute l'équipe. Et si c'était vrai? C'est peut-être l'armée qui revient? Dis pas de conneries. L'armée n'en a rien à foutre de cet endroit. Attends, au pire, c'est des intrus qui ont eu de la chance. On va les trouver, comme d'habitude. Ouais, j'espère.
C'est pas vrai. Putain, on se fait descendre. Hé, on se déploie. Cherche encore. Rien de mon côté. Et toi? Pareil ici. Alors, ça donne quoi? Que dalle, vieux. Enfoiré. Tu le vois? Il est pas ici. Inspecte la rue. J'ai rien du tout. Bon, je vais regarder dans ce coin, mec. Regarde en bas. Je sais que t'es là. Ça doit être lui. Hé, hey, fais attention, mec. Ça, tu vas me le payer! Le laisse pas filer! Bien joué, petite. Couvre.
le surveille. Avance. Ok, vas-y. Attention! Tu veux bien? Oh mon Dieu! Ok. Descends! J'étais comment? Qu'est-ce que tu dirais d'un truc un peu plus à ta taille? C'est juste pour les urgences. Ok. Là, la sécurité est mise. Tu sais comment faire pour la retirer? Oui. Bon, il faut que tu fasses attention. C'est pas un... Joël, je serai prudente. D'accord.
Vas-y, à toi de jouer, Ellie. Ça marche. Non, la foutue chaîne est bloquée. Attends. Ouais. Voilà. Ok. Bien joué, Ellie. Aide-moi à l'ouvrir. Voilà. C'est bon. C'est parti. C'est pas mal. On dirait. Ouais, c'est ça. Merde, pas de bouffe. De vieille godasse. C'est mort. Ouais. On se casse. Ouais. Au moins, ils ont tué ce couple. J'étais sûr qu'ils avaient réussi à quitter la ville. Reste plus qu'à trouver les deux du pick-up, maintenant. Ouais, j'espère qu'il y avait une putain d'armée dans ce pick-up. Comment ils ont fait pour fumer toute l'équipe, là-bas? Poursuivons les recherches. Hé, tu vois quelque chose? Hé, tu m'entends? Oh non, non, non! À les entendre, on dirait qu'ils ont peur de nous. Surtout, reste bien sur tes gardes. Je dis ça comme ça, mais je suis contente que tu sois de mon côté. C'était un compliment. D'accord.
l'équipe postée à l'air. Ils ont rien vu. Et Market Street, alors? Ouais, ils ratissent la zone en ce moment. Ils les trouveront peut-être là-bas. J'espère vraiment que ces intrus vont se montrer. Merde, ils finiront par sortir. Je crois que c'est ton jour de chance. Joël, il y a un type au premier étage, juste là. Y'a rien de mon côté! Pareil! Oh bon sang, la survie à tout prix. Quoi? Ah. Le truc de la BD.
Ok. Merde. Alors c'est comme ça que ça s'est terminé dans cette zone. Dans chaque bataille, il faut un perdant. T'imagines, s'ils avaient de la famille ? Tout le monde a une famille. Mieux vaut ne pas y penser. Comment pas y penser ? Là, viens Ellie. Ok. Allez. Et voilà. Prenons la ruelle. Oh, encore ce foutu camion. Ça va, reste accroupi. Si. Non. 7. T'es encore loin. 10. Continue. Je sais pas, vous. Non, mec. 25. Tu déconnes. Je te jure. T'as 25 boîtes de bacon ? Enfin, 24. Je viens d'en finir une. Où t'as trouvé 24 boîtes de bacon, putain ? Dans un casier militaire de l'hôtel, il y a longtemps. Ruben et moi, on est tombés dessus et on a fait moitié-moitié direct. Et il est encore bon ? Quand est-ce que t'en refais ? Pourquoi ? À ton avis, j'en veux, Théo. Ouais, c'est ça. Je vais y réfléchir. C'est bon. Je t'en ferai si t'arrêtes de remettre ça sur le tapis. Le tapis est aussi bon que tout. C'est du bacon, bien sûr que c'est bon.
Tout va bien. Ils peuvent pas nous voir. C'est quoi ça? Laisse-le tranquille. Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Oh, merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosse avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes ? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous ? Ils sont morts. Hé, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Désolé pour l'histoire du flingue. T'inquiète, j'aurais sûrement fait la même chose. Vous êtes d'où ? On vient de Hartford. Vraiment ? On m'a dit que c'était pas la joie là-bas. Ouais, l'armée a abandonné la zone. Alors on est parti. Ça doit ressembler à ici. Faut qu'on soit prudent. On est près d'un des postes de surveillance. T'es seule avec ta fille ? C'est pas mon père, c'est juste... J'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle. Ouais. On peut comprendre ça. Attendez. Taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivé dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Jette-moi ça.
Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Il est loin, cet endroit. On arrive. C'est tout près. Ellie, tu nous couvres. T'as trouvé quoi? Bien sûr. Que dalle. Sam. On dirait qu'il y avait quelqu'un là-haut, mais ils sont partis. Ok. Et où sont les autres? Ils voulaient refaire un dernier tour, pour s'assurer qu'on n'ait rien loupé. Ok. Va jeter un œil par là. J'ai fouillé cette zone. Beau travail. Bordel! Ici! Espèce d'enfoiré! Tout va bien. Pas mal pour un vieux. Allez, sur le camion. Oh merde, juste on a d'autres en haut. Par cette porte. Toi qui les connais bien, tu es certain que c'est sûr? Je suis le seul qui a la clé. Et d'où tu la tiens? J'ai tué l'un d'entre eux. Il lui servira plus. Allez, passez. C'est par là. Alors? T'as quel âge? Moi? 14 ans. Et toi alors? Pareil. Ah, t'as 14 ans. Presque. C'est ça. C'est vrai. On y est. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici? Quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles?
On en a toute une réserve. T'en veux ? Non. Eh, hey, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous êtes pas parti ? On attendait juste le bon moment. Et ? Viens. Je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Ok, prête ? Aïe ! Attaqué par une myrtille. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez ? Il paraît que les lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer ? Ah, j'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les lucioles ces jours-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi ? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu, alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord ? Alors peu importe ce qui se passe, tu me colles. Je te colle. Tu me colles. Compris. Bien, bien. Bon, tout le monde est prêt ? Ouais. Ok. Vous éloignez pas, ok ? T'as déjà essayé ? Ouais. C'est rassurant. Relax, grand-père. J'espère que tu connais le chemin. Ok. On s'en débarrasse discrètement. Bon, à toi de jouer. Hey, ça marche. Comment ça va ? J'essaie de me réchauffer. Qu'est-ce que ça donne là-bas ? On a abattu quelques infectés. Et aucun... Quel talent, waouh. C'est bon. Allez, on avance. Joël, il y a un type près du projecteur. Je le vois.
Calme-toi, mec. Y'a aucun problème. C'est bon. Tout va bien. Henri, file-moi un coup de main. Ok. T'es prêt? Oh non, merde, vite! Entrez! Arrêtez-vous! Hé! Hey, ils sont là-bas! Oh non. Ah, c'est bon. Allez, venez! Restez sur vos gardes, on est... Allez, va jeter un œil. C'est bon. Sam, amène-toi. Allez, petit, on y va. Allez. Merde. Allez, vite. Allez. Faut le faire monter. Là, on va la défoncer. Désolé. On s'en va. Quoi? Non. Quoi? Tu déconnes? Allez, viens. Qu'est-ce que tu fous, Henri? Merde. Encore une fois, foncez. Je pars pas sans toi. On dirait qu'ils les ont trouvés. Juste là, regarde. On se déploie, ils pourraient venir ici.
T'as vu ça? Chape-le! Couvre-moi! J'avance! Ouais, je te couvre! Sur ta droite! Le perds pas! Allez, on passe en dessous. Ouvre-la, putain, viens! Ils vont s'y taper! Pas les trestes. Ils vont nous tuer! Tu vois une autre solution? On saute! Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Oh merde. Tu m'aideras à nager! Ellie! Pas le temps de discuter! Ellie! Fais chier! Henri, il est réveillé. Joël, on est vivant. Okay. Tu vois, je te l'avais dit, pas vrai? Il est vivant, tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a vu. Vous étiez sur le point de... Hé, ça va, qu'est-ce qui te prend? Henri, recule, petit. Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça? Arrête! Joël! Il nous a abandonnés là-bas. Non, vous pouviez vous en sortir, et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous? Je t'ai sauvé. Il m'a sauvé aussi. On se serait noyé. T'inquiète pas, je vais bien. Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vu. Bon, la tour radio est derrière cette falaise. Ok, il y aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de pas m'avoir tué. Eh, on va fouiller cette zone pour voir ce qu'on trouve. C'était tendu. Ça va? Ouais. Allons chercher cette tour radio. On trouvera peut-être quelque chose dans ce bateau là-bas. Je t'ai pas attendu, petit. Ouvre bien l'œil! Quoi?
bateau. Ouais, c'est pas tout à fait pareil une fois sur l'eau. Chaque chose en son temps. Je suis sûr qu'elle y aimerait ça. Je peux pas aller par là. Au début, j'ai cru que t'allais le descendre. Ouais, j'ai bien failli. Ils sont cool. Je crois que c'est bien qu'ils soient là. Je crois que t'as raison. Est-ce que tout le monde avait un bateau avant ? Ouais, j'avais un yacht de 20 mètres. Hé, Ellie ! Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Allons voir ce que c'est. Eh, je parie que ça donne sur l'extérieur. J'ai besoin d'un coup de main. Ok, ensemble. Allez, c'est parti. Ok, les gars, go. Ok, c'est parti. Ok, vas-y. Ok. Eh, hey, sortez vos lampes. Sam, t'éloigne. T'éloigne pas. T'as enfin capté. Joël, on devrait aller voir par là. Ok, on va aller de ce côté. Moi non plus. Mais on n'a pas vraiment le choix. Si tu l'ouvres, je peux me faufiler et dégager la porte. Oh, Burke, ce rat est énorme. Tu crois qu'ils vont venir avec nous, jusque chez Tommy ? Ça, je sais pas. Va falloir attendre de voir comment les choses évoluent. Eh, par ici! On dirait qu'il y a un chemin devant. Juste là.
peut sortir par là? Non, impossible d'atteindre ça. Bah, je sais pas nager. Eh ben, on est deux, alors. Ça pourrait peut-être nous aider. Henri, essaie pour voir. Ok. Je vais jeter un œil. Monte la garde. Oh merde. Ouais. Rien de cassé. Vas-y, Ellie. Ah, je vois. Pas bête. Regarde si ce générateur marche encore. Je le sens pas. C'est un piège sonore. Quoi ? C'est une sorte d'alarme. J'entends rien, moi. Ouais, quelqu'un vivait ici.
Mais on dirait que c'est plus le cas aujourd'hui. Qui voudrait vivre ici? Bah, quelqu'un qui penserait pouvoir sécuriser cet endroit. Oh. Vous entendez? Chut. Silence. On sait ce qui est arrivé à ces gens. Vu qu'on est tombé sur un claqueur, ils sont partis depuis longtemps. On continue à avancer. On n'a plus qu'à espérer qu'il n'y en ait pas d'autres. Même si j'en doute. C'est pas vrai. Hey, tu crois que ça conduit dehors? Possible. Mais c'est trop haut pour la courte échelle. Il y a peut-être un autre moyen d'y accéder. Ouais, ça va. C'est moi, j'ai dû déclencher une sorte de porte de sécurité. Henri, essayons de la soulever. Bon, c'est plutôt gênant. Ouais, je sais, toujours la même. Quoi? Eh, ce sale truc bougera pas. Courez, allez-vous-en! Sam, reste à côté de lui. Henri, il faut qu'on bouge de là! Fais bien gaffe à lui! Allez!
Tout va bien se passer. Ouais, ouais, je sais. Allez, viens, petit. On va essayer de sortir de là, ok? Ok. Vous avez vu? Restez derrière moi. Si je cours, vous courez. D'accord. T'entends ça? T'as réussi. Bon, on va repartir. Ça ira. D'accord.
Regardez cet endroit. On dirait une salle de classe. Et ils n'ont pas pu se défendre. Ça, j'aimerais bien le savoir. Ils n'ont pas mérité ça. Tu crois que tu peux faire tomber l'échelle ? Ouais. Vas-y. Et voilà. Bien joué, petit. C'est Ellie ? On y va. Jurel, c'est eux. Sam ! Oh, bon sang ! On ne doit pas rester là ! Là-bas, là-bas ! Sam ! Courez ! Ils sont trop nombreux ! Ellie, éloigne-toi de la porte ! Peut-être en poussant ensemble. Allez ! Sam ! Il a réussi à passer ! Il a quoi ? Sam, mais qu'est-ce que tu fous ? Je nous sors de là ! Bon bah dépêche-toi ! Ok, allez ! Tout le monde en haut ! Allez ! Dépêche-toi! Allez, Sam. Tu vas sortir aussi. Et toi, alors? T'inquiète pas. Allez, vas-y. Tiens-toi prêt! Merde. Regardez. Oh, vous rigolez ou quoi? Merci de m'avoir prévenu, les gars. Elle est où, cette tour? C'est proche. Allez, on y va. Hey, ça va, petit frère? C'était chaud, hein? Ouais. On a connu mieux comme situation. Mais on s'en est sorti. Ouais. Hé, regarde ça! Ouais? Qu'est-ce que j'avais dit? Trouvons un moyen de l'atteindre. Et toi, comment ça va? Ben, comme d'habitude.
Quand j'étais avec Henri, j'ai descendu quelques infectés toute seule. T'aurais été fier. Ouais. Ça ressemblait à quoi ici, sur les infectés? J'arrive même pas à imaginer. C'était pas une bonne idée, finalement. C'était plutôt intense tout à l'heure. Ah ouais. Carrément. Comment vous vous êtes rencontrés? Oh. C'est une amie, Marlène, qui lui a demandé de nous conduire en voiture. Vous vous entendez bien, on dirait. Ouais, enfin. C'est moi qui commande. J'ai pas raison, Joël? J'avais 5 ans quand le cordyceps s'est apparu. Mes souvenirs sont un peu flous, mais... je me souviens qu'on vivait dans un quartier comme celui-là. De quoi tu te souviens? Les barbecues. Nos parents, ils organisaient d'énormes barbecues et ils invitaient des tonnes de gens. En fait, je me souviens surtout de l'odeur. Bizarre. Je te conseille de pas les approcher de trop près. Ils sont pas comme ceux de la zone. Ils sont sauvages.
C'est cool, d'utiliser la lunette. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un marchand de glace. Un marchand de glace ? Ouais, c'est Henri qui m'en a parlé. Il vendait des glaces dans le camion. Non, j'y crois pas. C'est vrai, Joël ? Non, c'est vrai. Le camion passait dans le quartier, avec cette horrible musique à fond, et tous les gosses sortaient en courant pour lui acheter des glaces. Vous êtes en train de vous foutre de moi. Non, je te jure. Waouh, ton époque était bizarre. Je te l'avais dit. Ellie, j'ai encore trouvé une de ces BD. Ellie, viens voir. Tiens-moi ça. C'est quoi ? Réfléchis. Hé, hey, Sam. Fais attention. Ouais, d'accord. Bon, je commence. Oh. Ah, mince. À toi. Ok. Je lance ? Ouais. Et bim ! Je suis trop forte. La chance. Non, c'est pas vrai. C'est que de la chance. Ok, boucle-la, tu t'emballes. C'est parti. Merde ! Nul ! Bon. Match nul ? Non, tu t'es carrément fait laminer. En quoi je me suis fait laminer ? On est presque à égalité ! Ouais, d'accord. Foiré de sniper! Est-ce que t'as vu où ça venait? Plus loin dans la rue. Très bien. Restez tous ici. Non. Avant d'y aller, je voudrais que vous fassiez diversion. Je vais essayer de trouver un endroit d'où je pourrais l'atteindre. Ok. Sois prudent. Venez! J'ai envie de jouer! Thank you.
Dépêchez-vous. Bordel de merde! Thank you.
Sam ? Ouais, ça va. Merci, Joël. Hé, hey, regarde ça. C'est bon. Tout va bien. On doit y aller. Très bien. Sam ! Henri ! Sam, tout va bien ? Ouais, ouais, ça va. Vraiment ? J'ai dit ça va. Allez, allez ! En route ! Vite, vite, vite ! Ouais, je crois. Vous êtes pas blessé ? Non, ça va. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Allez. On y va. Tu déconnes ? Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy, et la seule chose qu'il voulait faire... C'était louer deux Harley et traverser le pays. Ah, merde. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour. C'était comment ? C'était bien. Super bien. Bien ? Non, mais tu l'entends ? Allez, mec, quoi ? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi ? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, Ellie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais ? Et qu'est-ce que t'en sais ? Je l'ai vu en rêve. Ok. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon, c'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve ? C'est Henri qui t'envoie. Non. Pourquoi Henri m'enverrait ? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien ? Ouais, ça va. Ok. Ben... Dors bien. Pourquoi t'as jamais peur ? Qui t'a dit ça ? T'as peur de quoi ? Voyons voir... Les scorpions sont assez flippants. Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi ? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients ? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps ? J'ai peur que ça m'arrive. Ok.
D'abord, on forme une équipe, ok? On va s'entraider. Et deuxièmement... Il ressemble peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. Tu crois que c'est vrai? Ça dépend des fois. Enfin, j'ai envie d'y croire. Mais t'y crois pas. Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Oh! Avec tout ça, j'ai failli oublier. Tiens. Si c'est pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez, je suis crevée. On se voit demain. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Sam? Sam! Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il se transforme! C'est mon frère, putain! Et merde! Merde! Ellie, est-ce que ça va? Ah ouais. Oh non. Sam? Henri? Ellie, bouge pas. Oh, Henri! Qu'est-ce que je fais? Sam! Henri, je vais te prendre ton arme, d'accord? Sam! Ok, du calme. C'est ta faute! C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute! Henri, non! Oh mon Dieu!